Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et Daniel Perrum sur l'épisode 2 et cette nouvelle série sur Starbound, donc V5, Glad Giraffe, on peut voir en bas à droite. Donc la nouvelle mise à jour, donc vous verrez le premier épisode d'aujourd'hui normalement, donc cet épisode vous le verrez donc plus tard dans la journée pour moi. On va commencer en single player pour éviter tous les problèmes sur les serveurs, on va créer un nouveau personnage d'ailleurs à ce sujet. Donc toujours, habituellement on a fait toujours le cycle cela, ben, on va rester sur un humain. Donc un humain de sexe masculin, forcément, il a pas l'air plus masculin que ça. Skin color, moi je suis un peu plus pâle de peau, voilà. Hairstyle. Ouais. Non. Surtout pas. Hop. On va prendre ça. Shirt. On va prendre celle-là. Pants. On va prendre ça. Personality. On va prendre celle-là. Là, on fait au random pour avoir pour pas savoir quel top, quel genre de pantalon, enfin quel genre de sous-vêtement on va avoir, quelle couleur de sous-vêtement on va avoir. La couleur des cheveux, on va rester dans le classique, hein. Hop, shirt. Hop. Hop. Et comme d'habitude, on va l'appeler Marcus Bonus V5. Alors, je pense que c'est la création de personnage la plus courte que j'ai faite, en tout cas récemment. Donc on avait V4 ici, et on part avec V5. Hop, c'est parti. Alors, voici la nouvelle interface de quête, donc colorée, et surtout avec le portrait du personnage, qui va très très bien avec V5 en dessous. Il y a une histoire. La Terre a été détruite. Je suis à la recherche d'une nouvelle planète, d'une nouvelle maison pour depuis quelques temps. Mon vaisseau était endommagé et je suis en orbite autour d'une planète inconnue. Pour continuer à me déplacer, je dois réparer les propulseurs de mon vaisseau et réparer la carcasse, donc la coque. Ok, accepté. Donc le vaisseau humain hein, qu'on a déjà vu. Et comparé aux autres mises à jour, il n'y a pas le pet qui était à l'avant. Hop, donc on va voir, hop, Sail, qui est notre IA du vaisseau, donc, qui est en train d'en chier littéralement. Reboot ship IA. Donc redémarrage réalisé, donc... Bonjour, merci pour ça, je suis Sail et je vais t'aider j'ai réparé le... Enfin j'ai redémarré le système d'énergie, les énergies pour toi. Les propulseurs et le réacteur de saut sont toujours offline. On devrait peut-être commencer par mettre en fonctionnement ton manipulateur des matières. Le voici. Excavation mode, il tourne en plus, génial. Enabled, génial. Ça a marché. Donc ça permet de récupérer des objets, de déplacer et de collecter d'autres objets et des matériaux. Donc on va essayer de réparer les propulseurs, ça ne fonctionne pas. Donc on va faire mettre en marche le téléporteur. La première chose que je devrais vérifier dans le vaisseau, c'est le locker, donc comment on va appeler ça, le casier. J'ai besoin d'une lampe torche, il devrait y avoir quelques autres petites choses dedans. Ok. Eh ben écoutez, est-ce que t'as des missions ici à me proposer? Non. On y va. Alors. Le locker, le voilà. Hop, on y trouvera donc une épée, donc cette épée qui est l'épée de base en fait de chaque héros entre guillemets. Hop, voici donc la lampe torche. Quest complete, donc une lampe torche, une arme et quelques torches. Pour commencer. Maintenant il est temps d'aller sur la planète. Ok. Donc maintenant il est temps de faire une table de craft. Je devrais me déplacer sur la planète et utiliser le matériel manipulateur pour faire tomber quelques arbres pour leur bois. Et appuyer sur C pour ouvrir le menu de craft. Alors. Je mets ça là. Voici donc une. Alors l'épée qu'on a actuellement en début, celle-ci, la Broken Hero Sword, est une épée à deux mains. Donc vous voyez qu'elle a un spécial, le Spin Slash. Donc on va la mettre en 1. Celle-ci cependant est une épée à une main. Et elle n'a aucun spécial apparemment.
Voilà, elle n'a aucun spécial. Cependant, si je prends celle-là, vous voyez. Hop. Donc ça nous a consommé de l'énergie, cependant, avec la combat update, donc cette nouvelle mise à jour. Ah bah si, le chat est ici. Hop, on a donc accès à des attaques spéciales. Donc voici la première que nous puissions voir. On descend. Oh! Nouvelle interface, enfin nouvelle façon de faire. Ok. Donc nous sommes sur cette planète, pourquoi pas. Et donc on va commencer par, comme dans tout sandbox, à couper des arbres. Hop. On va couper aussi quelques lianes pour nous faire des bandages en cas de pépin. Parfait. Hop, et on peut voir aussi un petit peu de charbon ici, donc on va en récupérer un petit peu pour pouvoir faire quelques torches supplémentaires. Et on a aussi de la black dye. Les dyes qui sont en fait des nouveautés de cette mise à jour permettent en fait simplement de colorer vos armures et vos... Il me semble qu'on peut aussi colorer des objets, mais je suis pas tout à fait sûr encore. En tout cas les véhicules, on pourra les colorier aussi. Hop, on va récupérer ça. Déjà, ça fait du bien par où ça passe. On va en profiter pour récupérer un petit peu de cailloux aussi. Hop. Voilà, comme ça on pourra en cas de besoin faire ce qu'on a à faire ensuite au niveau des quêtes. On va continuer avec les arbres, cependant on a de la chance, ils sont assez grands. Hop. Alors, je vais juste faire une petite pause déjà dans la première vidéo. Je vais aller voir au niveau du son comment ça se passe, parce que j'ai un doute. Ça me semble extrêmement fort. Voilà, re, chers amis, donc ça devrait être un peu mieux maintenant. Moins vous arrachez la gueule. Alors. Aïe. Aïe. Et dis donc, c'est hardcore pour une première première planète, ça. Hop. Si je pouvais avoir eu tout l'arbre, ça aurait été cool. Ok, on est bon. Donc là, niveau bois, je pense qu'on a ce qu'il faut. Hein. Pour commencer à faire à l'agriculture, je vais avoir besoin de... Till the soil. I need a way to till the soil. Je vais avoir besoin d'irriguer les sols. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Hein. De retourner la terre, peut-être. Je vais devoir crafter une houe avec quelques bois et un petit peu de cuivre. Et écoute, c'est une bonne idée. Très très bonne initiative, qui plus est. Il y a des petits lapins. Et là, il y a une tour. Tour que je ne peux pas franchir pour l'instant si je ne casse pas ça. Ce qui est une chose que vous savez que je n'apprécie pas faire. Hein. Hop. Dommage. Hop. Oh, un des nouveaux personnages uniques. Aïe. Waouh, il est d'une violence. Aïe, mais pas... Il a pas été plus agressif que ça au final. Hop. On va aller récupérer. Hop, ceci. Crac, on y va. Dégage. Dégage. Voilà. Voilà. Hop. Ça se passe pas trop mal. Oh, il y a un coffre là-dessous. Hop. Des purple seeds, donc des graines. On va quand même cependant récupérer le coffre. Pour s'assurer qu'on ait de quoi ranger une fois sur le vaisseau. Et la nuit semble tomber déjà. Ce qui en soi n'est pas forcément une très très bonne chose. Apparemment on a chopé un flair, ce qui est une bonne nouvelle par contre. Hop, dégage. Dégage. Alors ça d'entre vous trouvez les combats moins dynamiques, je ne trouve pas pour l'instant.
Hop là. Donc oui, j'utilise le clic droit juste pour le fun. Après tout, c'est une des principales nouveautés. Autant ne pas hésiter. Par contre, ouais, alors franchement, la planète est vraiment hardcore. Hein. Regardez ça, les hauteurs qu'il faut atteindre. Ok. Dégage, dégage. Hop là. Alors. Excusez-moi. Je me gratouille un coup. Ce sont des choses qui arrivent. Hop. Une petite souris qui m'a suivi, c'était marrant. Ok. Ok. Hop là, ça c'est bon. Un coffre. 30 pixels. On a rien de bien. De bien génial hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? De quoi cuire. Je peux pas cuire de patates. Par contre, ça je sais que je peux le cuire. Non. Ah bon? Ça non plus? Bah alors? Ou alors c'est les trucs qui ont changé, je sais pas. Peut-être fait que pour cuire la viande maintenant, c'est possible. Bon bah je la récupère. Ça ne sera pas perdu pour tout le monde. Aïe. Ok. C'était pas prévu hein, je précise. Oh. Bonjour. Permettez que je pille votre chez vous. Et que j'y dorme un petit peu. Pour récupérer un petit peu de santé. Hop. Ça va pas très vite. Hein. What's up, bro? Ok. Boxing glove. Oh. Je prends ça. Je te le rendrai pas, hein, tant pis pour toi. Oh, joli. Dégage. Hop, merci. Petit peu de riz. Encore une tour. Encore une tour vide, qui plus est. Aïe. Ok. Oh, un campement. On régène pas plus là-dedans, mais je vais la récupérer. C'est toujours ça de prix, chers amis. Hop. Le corn, on récupère aussi. Oh, ça aussi j'aime beaucoup. Donc, je récupère et la lampe. Et le sac de couchage. Un nouvel ennemi, Body Slam. Ah oui, c'est vrai, il faut pas les toucher. Hop là. Un petit peu de blé, c'est cool. Ah, encore un. Hop. Un drôle de bruit. Vous entendez comme moi ces drôles de bruits? Et de drôles de bruits, je sais pas savoir, je pourrais pas vous dire ce que c'est en fait. Puit, 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 puit. Ah bah le voilà. Aïe. Oh la vache. Il y a une violence celui-là.
plus, il n'y a pas grand chose à côté de lui. Hop. On va essayer de se soigner. On va essayer de crever dans le premier épisode, ce serait cool. Bon, là, on va le laisser, le campement. Hop, là. C'est une patate. Je récupère la patate, merde. Il y a un petit peu de riz. Je sens que je vais crever. Ah, putain. Oh la vache, qu'est-ce qui fait mal? Moi qui parlais de patate tout à l'heure, bah c'est moi la patate. Hop là. On s'en sort pas trop mal. Hop. Hop, hop. Une ancienne maison. Alors. C'est marrant, j'entends un coup de flûte. Oh putain! Leur saut, c'est vraiment la merde. Oh nom de Dieu! Avira Launcher a été mis à jour. D'accord. Recule! Ok, c'était juste, hein. J'avoue qu'on l'a peut-être un petit peu bourré là. Hein. Oh! Un campement! Yo! Hop! Merci de ton aide. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvera par là? Wow! Intriguant. What? Ah, y a des monstres que je connais pas, j'ai pas d'armes à distance et là il en faudrait. Donc on va rentrer. On va même remonter sur le vaisseau, on va faire un petit peu de mission. Enfin les différentes quêtes qu'on nous a demandées. Hop. Parfait. Alors. Au passage, j'avais posé dans ma. Dans mon vaisseau donc. Hop. Un sac de couchage. Hop, c'est... Et donc il nous faudrait une crafting table, une wooden crafting. Et donc pour ce faire, il nous faudrait du bois. Il nous en faudrait donc un total de 35, donc il nous en faut 25 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Il est disponible, on peut faire ça. Donc maintenant, plant fiber can be used to fashion bandages in case they get hurt. Donc en gros, on va utiliser les fibres de plantes pour faire des bandages dans le cas où je me fais blesser, où je suis blessé. Je devrais couper des vignes pour obtenir des plantes fibres, des fibres de plantes et les transformer en bandages à la main. Hop, j'ai déjà fait tout ça. Hop, voilà. Pour rester en pleine forme et ajouter de l'efficacité dans mon combat, j'avais besoin de cuisiner de la bouffe. Je devrais obtenir des steaks donc en tuant des monstres avec un arc de chasse ou une lance de chasse et les cuisiner dans un feu de camp pour produire donc de la viande cuisinée. Donc de la viande cuite en fait tout simplement. Pour ce faire, il va nous falloir un hunting bow. Et donc 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Voilà, et on a notre arc. Première arme à distance, donc je vous en parlais un petit peu plus tôt. Nous l'avons. Ok.
Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger un petit peu de corn. Ce qui nous donne une certaine régène. Et on va en profiter pour aller dormir un petit coup. Et moi, pendant ce temps-là, je fais une petite ellipse. Comme ça, je vous passe pas le moment où je me régène. Voilà, re, chers amis. Donc, on a récupéré notre santé. On redescend et on va aller buter quelques monstres pour choper un petit peu de bouffe. Alors, c'était ici. On y va. Hop. Cette animation est beaucoup plus sympathique que celle qu'on avait avant, je dois le reconnaître. Et on va partir vers la droite, qu'on n'a pas encore trop visité normalement. Et voir ce qu'on peut y trouver. Est-ce que c'était moins dangereux de partir sur la droite? Telle est la question. Non, ce n'était pas moins dangereux. Hop, d'accord. Apparemment, ils peuvent pas m'atteindre, donc on va rester là, c'est pas grave. J'ai rien dit. Ok, on se barre. Ok. D'accord, il y a de la lumière là uniquement en fait parce qu'il y a un trou dans le fond, regardez. Comme là. Hop. J'en profite pour expliquer un petit peu toutes les mécaniques hein, de base. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas le jeu. Hop. Donc les plants de fibers, ce sont les principales ressources de soins au départ, hein, au début du jeu, de soins efficaces en tout cas. Il faut en avoir une chier pour faire beaucoup de bandages, simplement. Si vous ne souhaitez ne pas mourir tout le temps, en tout cas. Alors là, ça va être plus problématique que prévu. Ok, on l'a eu. Pour 3 graines de maïs. Génial. Donc là, je pourrais récupérer les plateformes en pierre, mais je décide de ne pas le faire. C'est volontaire. Par contre, ça serait cool de me pondre un monstre. Hein. Oh. Bah, à la place, on me pond un cadavre de monstre. Donc, si on voit une tombe dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait? On la casse, non, je rigole. On va surtout voir ce qu'il y a en dessous. Et actuellement, il n'y avait rien. On n'a pas de chance. Un lapin. Ah. Allez, viens, vite. Ah, je suis mauvais. Bah alors? Raté. Merde. Raté aussi. Appelé. Forcément, il me donne pas de viande. Appelé. Ok, on passe. Et là, y a rien. Hop. C'est pas grave, on va aller chercher l'autre monstre. Bon, d'accord, il fuit. Ah! Ce n'est pas le pire monstre hein, à chasser, mais il est quand même chiant. Ok, ça y est, on a eu notre rose steak, le premier. Tant bien que mal. Et donc voilà où nous étions tout à l'heure. Parfait, donc on peut remonter sur le vaisseau. On aura fait au moins le tour donc, de la surface de la planète. Alors, maintenant, on avait déjà un rose steak, c'est vrai que j'étais stupide, mais bon, fallait bien que je montre comment le chasser, enfin comment chasser. Hop. Voilà. Attends un petit peu.
plein de se régène. Parfait. Délicieux, je suis sûr que je peux faire encore des mets encore plus délicieux, encore plus goûteux, pardon. Si je trouvais de meilleurs ingrédients, peut-être que je devrais crafter une houe et trouver quelques graines que je pourrais planter. Ok. Pour faire des items plus avancés, on va avoir besoin d'un four en pierre en utilisant la crafting table, donc la table de craft. Donc avec ça, je vais pouvoir donc faire fondre des minerais rares pour les transformer en objets plus intéressants. Donc pour ce faire, on va là. Non, on va sur la crafting table qu'on a construite mais qu'on n'a pas posée, je crois. Voilà. Hop. Puis on va poser aussi ça. Et on y va et vous allez voir qu'on peut faire... Alors attendez. On peut pas encore la faire, il nous faut plus de cobble. Plus de cobble, bah écoutez, on va aller en faire plus de cobble, hein. Plus de cobble, pardon. On va aller en farmer en bas. Hop. Je me rappelais pas qu'il en fallait autant. Hop. Hop. Voilà. Hop. Ok. Donc là on est bon. Et c'est marrant, je peux remonter quoi qu'il arrive. Intriguant. Normalement, quand vous avez un fond devant vous, derrière vous, vous ne pouvez pas vous téléporter. Mais il semblerait que maintenant nous puissions. Ok, alors. Stone Furnace. Awesome. Donc, génial, maintenant il est temps de jouer avec le feu. Ça devrait marcher, même pour les métaux les plus basiques comme le cuivre et le fer, que je devrais être capable d'utiliser pour construire un four plus avancé plus tard. Je vais avoir besoin d'un meilleur équipement si je veux survivre ici. Je devrais commencer à utiliser le four et faire fondre quelques minerais de fer pour obtenir une barre de fer. La barre de fer. Plus j'irai profondément dans les sous-sols, plus je pourrai facilement trouver des minerais. Eh bah écoute, tu sais où est-ce qu'on va alors? Hop. Nous voilà partis. Hop là. C'est vrai qu'on a fait le tour de la planète, on n'a pas trouvé beaucoup de or dans les coffres. On n'a pas eu beaucoup de chance sur ce sujet-là. D'un autre côté, c'est pas plus mal de ne pas avoir tout trouvé dès le début. Hop. Alors, voyons voir. On va récupérer ça, parce que si on descend, il nous faut de quoi nous régénérer. Pas grand chose par là. On continue de ce côté. Ah, j'entends les petits sauteurs. Hop. Pas grand chose par là non plus. Ah ah! Oh, salaud! Hop, je t'ai buté. Donc, ça, c'est un pod. Donc, un truc qui va nous permettre, en fait, si on l'ouvre avec eux, d'avoir quelque chose d'aléatoire. Des bombes. On va mourir. Voilà.
Voilà, le manque de chance donc qu'on peut se permettre d'imaginer qu'on va avoir pendant toute l'aventure, chers amis. C'est génial. On aurait pu tomber sur tout et n'importe quoi, du poison, de la santé, de la régène, même des bombes de comment de minerais qui auraient été un excellent départ. Mais non, il a fallu qu'on tombe sur des bombes mortelles entre guillemets. C'est bien ma veine. Alors, la suite. Oh. C'est joli ça. On continue à descendre après tout. On a pu voir qu'il y avait un chemin sympa. Oh. Un micro-donjon? Déjà? Des ballots de foin. Ah non, c'est pas des balles de foin, c'est des box. D'accord, quelques pixels. Hop. Quelques pixels supplémentaires. Bah écoutez, on va les garder. Rien dans l'eau, d'accord, intéressant. What? What? C'est quoi ce monstre? Oh la vache, il fait tellement mal en plus. Vite, des bandages. Hop. En plus, il... Mais... Oh la vache! Aïe! Et en plus, il grimpe au mur. What? Pourquoi je le touche pas? Tu ne m'auras pas. Oh, du fer. Voici nos premiers minerais de fer, chers amis. En tout cas, de cette aventure. Hop. Alors. On les prend. Bizarrement, je peux encore remonter sur mon vaisseau. Donc, est-ce qu'ils ont supprimé le fait qu'on ne puisse pas remonter suivant là où on est? Si c'est le cas, c'est intéressant. Ça réduirait le nombre de morts. Il va nous en falloir un petit peu plus, hein. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Oh, d'autres. Ah, oh, du cuivre. Bah écoutez, on avait quelques torches en début de partie, on va en utiliser. Je les vois pas là. Hop. Hop. Oh. Qu'est-ce donc? Oh. Donc ça c'est un minerai particulier, c'est-à-dire qu'en fait c'est un, comment dire, un coin où il y en aura plus en fait simplement, c'est un truc qui apparaît aléatoirement et qui donne rapidement beaucoup de minerais. Bien sûr ils sont assez rares, hein, vous en doutez. Hop. Donc là on est peut-être un petit peu trop profond pour pouvoir espérer avoir quoi que ce soit d'autre que de la pierre en fond. En tout cas, un fond qui ne soit pas... autre chose que plein, entre guillemets. Alors on a beaucoup de choses à aller chercher là-bas, mais le problème c'est que ça nous oblige à... Hop. Là.
C'est pas grave, on va le récupérer, hein. Hop. Et parce que je sais plus ou moins comment va se passer la suite de cette petite aventure, on va aller profondément sous terre, vous allez voir. Voilà, ça on récupère. Parfait. Une petite portée ou quoi? What? Par contre, on a déjà plus de torches. Il va falloir quelques wood planks. Voilà. On peut en faire 15. 15 x 4, ça fait beaucoup plus de torches que prévu. C'est cool. Où sont-elles? Ici. 64 torches. Voilà quelque chose de très pratique. Alors on va peut-être quand même aller récupérer ça. Le fer sera beaucoup plus important que le cuivre au début en tout cas je pense. Hop. Par là. Oula. Oh, c'est le sable qui a... Oh non, pas ça. Tout mais pas ça. Aïe. Aïe. Il va pas me suivre. Il va me faire croire que tu vas me suivre. Hop, tiens. Je me suis rarement fait autant de bandages à un seul coup. Mais bon, on en a besoin. Hop. Alors, crac. On a pu voir quelque chose dans le fond, cependant j'aimerais aller voir tout simplement s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant par là. Bah non. Intrigant, 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 j'avoue. Alors on a vu voir quelque chose ici, on va aller le chercher. Hop, un petit peu de sable, donc vous voyez que ce sable là est... Et comment soumis à la gravité. Voilà. Hop. Donc, ceci est une challenge room. Donc, il y a potentiellement un gros bénéfice à la fin. Si tant est qu'on arrive à la réaliser. Donc, celle-ci est celle avec les cailloux. Cailloux qui vont extrêmement vite. Aïe. Aïe. On va essayer de se soigner quand même un minimum. Voilà. Ok. Ok. Ça se passe pas trop mal. Pas trop mal. On active la porte et là on reprend dans l'autre sens. C'est là que ça devient plus dur. Hop. On suit la boule. Hop. Heureusement je la connaissais un petit peu celle-là.
pour voir qu'il y avait un passage ici mais qui est inatteignable pour nous pour l'instant. Et on y trouve donc un upgrade module, 8 copper or, 30, hop, et surtout un premier pistolet qui apparemment fait des dégâts incendiaires et qui va nous être extrêmement utile. Puisque ce sera notre première arme à distance. Génial. On y retourne. Et donc, puisqu'on a fini en fait cette challenge room, on arrive à l'endroit où nous étions la dernière fois. Si on ne la réussit pas, en fait, on retourne sur notre vaisseau et la challenge room a disparu en elle-même. Alors, cette arme à feu est une véritable providence, hein, un miracle. Et ben on continue à descendre. Hop. Alors vous allez voir plus on va descendre, en fait plus les objets qu'on va. Les matériaux qu'on va trouver vont être durs à crafter. À taper. Et donc à casser. L'upgrade module, je vous montrerai à quoi ça servira plus tard. Ceux qui me suivent déjà sur ce jeu, Aïe, bien joué. Donc l'arme est pas très très puissante en soi, mais elle est efficace à longue distance, ce qui est extrêmement pratique. Et il y a un coffre ici. Donc on va aller chercher ce coffre. Hop. Ces gros coffres sont souvent très très bien remplis, on va dire, entre guillemets. Très lucratif. Oula. Bah écoute, reste coincé si ça te chante. Hein. Hop. Qu'est-ce que tu m'as donné? Un chapeau? Non, pas déjà. Living Root. Qu'est-ce que c'est? Can be used for crafting. Oh, intéressant. Donc on trouve matter module component. Donc ça, on verra ça plus tard. Là aussi. Il me semble avoir vu quelque chose aussi en haut. What? Ah non, je crois qu'il avait disparu. Oh, bien joué. Donc en se baissant, on peut passer par dessous. Il m'enfile un aussi, c'est cool. Hop, on récupère là-dedans. C'est un champignon, Hop. Je devais aller partir à gauche normalement, mais. Hop. Hop, ah, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y avait. Pourquoi j'avais envie de partir à gauche? Qu'est-ce qu'il y avait qui m'avait donné envie de partir à gauche? Ah, il y a de nouveau ce monstre. Hop, on attend que l'autre barre recharge, elle mettra moins de temps à recharger comme ça. Ils sont nombreux, dis donc. Hop, vous voyez, si je la laisse comme ça, je peux pas la réutiliser avant quelques secondes. Hop. Bon, y'a rien d'utile à aller chercher là-bas par contre. Donc on descend par là. Enfin, on remonte apparemment aussi. Ah, c'est bon, on descend. Hop. Ah, de la mud, ça devrait être facile à casser. Cool. Alors. Oula. Ça, je m'y attendais pas. Je vous l'avoue volontiers. Je ne m'y attendais pas. Et alors, pas du tout. C'est nouveau. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est rien du tout. Bah, continue à descendre par là, écoutez. Des monstres qui grimpent au mur, c'est vraiment intéressant. Hein. Pour des monstres supposés être dans les caves. Ok.
Bah, y'a un coffre là. Et on y trouve une. Un lance-flamme. Waouh, une des nouvelles armes de cette mise à jour, chers amis. Qu'est-ce que c'est que ce clic droit? D'accord, donc je peux cliquer droit pour faire essayer une espèce de marque. Bah écoutez, c'est intéressant. L'avantage c'est qu'il nous sert aussi de pétoche. Ah bah alors ça brûle. Ah il se couvre. Hop là, ok. Bah c'est bien comme arme ça. Reste à couvert te dis-je. Hop là. Hop. On a du bol hein. Sur ce coup là on a du bol. Je dois l'admettre. Un coffre, un autre. Hop, qu'est-ce que c'est? Crush Kill Stopper. Intéressant, c'est un bouclier en fait, chers amis. Donc on va laisser, on l'utilisera tout à l'heure. Hop. Ok. Oh joli, j'ai pas vu venir. Ok. J'aimerais qu'on continue à descendre, chers amis, malheureusement. Il semblerait que ce soit un peu compromis. Non, c'est bon. Ah, nous y voilà. Voilà la zone que je voulais atteindre. Et donc, dans le cadre de nos missions, on va devoir avoir besoin de ces petits fragments rouges. On va en prendre une cinquantaine, je crois. Une trentaine ou une cinquantaine. Donc, on va en prendre une cinquantaine. Hop. Et ça mettra fin à cet épisode. Hop. Ce premier épisode, cette nouvelle mise à jour qui me semble, à vrai dire, assez prometteuse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Donc ça, c'est vraiment génial. Beaucoup des micro-donjons qu'on a pu voir jusque-là, je ne les avais jamais vus avant. C'est donc une excellente nouvelle. Cette mise à jour est pleine de surprises, donc comme devrait l'être le jeu en règle générale. Et donc, c'est génial. C'est vraiment génial. Hop. Ah oui, oh, saloperie. Ce serait vraiment con de mourir maintenant. Hop. Il est pas mort. Putain, je croyais qu'il allait mourir. Voilà. Oh, il y a un gros coffre. Avec un pistolet bleu qui lui tire des balles électriques. Alors attendez, on va voir la différence quand même. 0,8 per shot, 9, donc ça fait 1,6 par seconde. Et là, 1,4, donc celui-là est techniquement plus efficace que celui-ci. Donc ça nous donne... Oh il fait des piou-piou-piou en plus, génial. Et donc ce coffre je le récupère parce qu'il est très 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 efficace. Bonjour, comment on fait pour les insectes? On les brûle hein. Aïe, ah merde. J'ai tapé dedans comme un con, voilà j'avais vu un diamant ici. On va aller s'empresser d'aller le récupérer. Ça pourra que être utile. Hop. Alors, en douceur. Parfait. Et voilà, on a récupéré notre premier diamant, chers amis. Ce qui n'est pas rien en soi, hein. Les diamants restent une ressource assez rare. Malgré tout. Malgré l'avancée dans le jeu, en tout cas, c'était le cas avant. Alors surtout pas descendre par là. Voilà. Oh.
Ah, ça les ralentit bizarrement. Les armes électriques, c'est cool. Cool, cool, cool. Par contre, le lance-flamme est bien plus efficace au niveau des dégâts. Hein. Hop là. Brûle. Donc là il y avait une boîte avec quelques bandages qui est toujours agréable. Oh oui toi la chute va être douloureuse normalement. Ah même pas. Ok. Nous sommes à combien de corps fragments? 24. On récupère ce qu'il nous faut et on remonte. C'est du copper, dommage. Hop. Parfait. Il semble que c'est 30, mais je voudrais pas avoir à redescendre en fait. Hop. Voilà, on va essayer d'aller sur les endroits où c'est le plus rentable de miner. Oh putain, je m'en doutais. Je m'étais coincé en fait en allant dans le truc. Hop. Ce que je vais faire c'est hop, voilà. Comme ça, je serai prévenu si quelque chose vient me taper dessus. Ok. Au niveau des... On a que 51 en fer, c'est peut-être pas suffisant. Hop. Là nous sommes à 50, donc de ce côté là c'est bon. Est-ce qu'il nous faudrait peut-être un petit peu plus de fer? Bon, au pire le fer on descendra en chercher dans le prochain épisode je pense. Sauf si on en a vraiment en grosse quantité pas loin. Pour l'instant les grosses quantités c'est pas ça. Elle est un petit peu là mais le problème c'est que c'est en surface dangereuse. Là il y en a un petit peu. On va mettre une torche, ça va être plus facile. Hop. Il y a un truc au-dessus ou c'est moi? Il y a un monstre, effectivement. Hop. Et donc, maintenant qu'on a récupéré tout ça, hop. Un petit peu par là aussi, donc on va récupérer. Ici aussi. Hop, c'est pas grave, on récupère, hein, c'est intéressant. Toujours intéressant d'avoir un maximum de minerais sur soi. Parfait, et là on va remonter. Crac. Hop. Parce qu'il va falloir que je monte cet épisode et que je le mette en ligne. Pouah. Donc, on va dans le four. On fait tout ce qu'on a à faire, 54 barres. Bien. Ça fait un paquet de fer, de barres de fer. Je vais avoir besoin d'un paquet de barres de fer pour pouvoir me faire un meilleur équipement. Mais avant ça, je vais avoir besoin de les forger. Pour faire un usage plus puissant et plus plus intéressant de mes minerais, j'aurai besoin d'une enclume en fer. Je pourrais donc me préparer moi-même aux dangers qui sont à venir. Je peux en faire une avec la crafting table. Hop. Hop, on va sur la crafting table. Iron en ville, hop, on l'a. J'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai fait échappe, par habitude. Maintenant, il est temps d'obtenir 20 corps fragments. Ah bah c'était 20. Avec eux, je pourrais être à même de réparer les propulseurs du vaisseau.
On l'a déjà fait. Génial, maintenant avec mon vaisseau, mon sel peut pouvoir réparer donc les propulsions de mon vaisseau. Et je pourrais éviter d'autres planètes de ce système solaire. Hop, alors avant ça, on va quand même placer quelques objets. Hop. Crac. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on a quelques armures qu'on peut crafter déjà dès le début. Ce qu'on va donc faire. Hein. Hop. Voilà. Et donc on va les équiper. Hop. Voilà. Donc voilà notre nouvelle armure, chers amis. Niveau de l'armement, de l'équipement. Il semblerait que les... Que les différentes armes qu'on voit là à crafter ne soient pas Flurry, Shockwave, ou d'accord. Certaines armes en fait le sont, mais d'autres le ne sont pas. Ok. Pourquoi pas. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme quête? Allez voir Sail. Hop, peux-tu réparer? Aha, un petit lapin qui travaille. Ce qui indique qu'on a pu réparer les propulseurs. Maintenant que je peux visiter la planète sans de ce système solaire, j'ai besoin de regarder comment je peux réparer mon FTL Drive. Sail pourra sûrement m'en dire plus. J'ai besoin de 20 Hercules Crystals pour pouvoir que tu trouveras quelque part pour pouvoir réparer le réacteur de Faster Than Light. Malheureusement, je ne détecte aucun signe de Hercules Crystal quel que soit sur la planète de ce système. On devrait voir s'il n'y a pas un portail quelque part pour nous y guider. Donc il nous faudra un manipulateur module pour pouvoir améliorer notre matière manipulateur. Donc ces choses-là, on peut les trouver. Donc on en a déjà trouvé 4 petits composants. 9 petits composants, donc il nous en faudrait un de plus. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc on va prendre notre vaisseau. On a débloqué l'accès au chat, entre guillemets. On va aller sur la planète de type forêt qui est un peu plus balèze que celle-ci. Et on va se laisser là pour ce premier épisode, chers amis. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce briser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la pub, donc faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre aussi, donc à commenter, pardon, dans les commentaires. Donc. Et à partager les vidéos, hein, si vous souhaitez le faire. Ça m'aide beaucoup, moi ça me permet de me faire connaître. C'est grâce à vous, chers amis, donc je vous en remercie. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour une autre aventure, pour une autre année. J'en chie. A plus pour un autre épisode de Starbound. Salut les gens. Ah, ça a été dur à la fin.